Bienvenue dans mon live de ce jeudi pluvieux. Un jeudi 30 avril déjà. Colin, le temps passe tellement. L'hiver va être passé, mais l'hiver est passé pour nous autres parce qu'on l'a passé en Floride. Mais je pensais en m'en venant de bonne heure comme ça que ça serait plus long. Mais pas du tout. Les journées sont tellement vite passées. Bon, ben là, je veux saluer du monde là, qui se connecte en ce moment. Ma tante Thérèse, Jean-Guy Brett, Francine, Marie-Ange, Louisette, ma maman. Bienvenue sur mon live! Continuez d'arriver. Il y a aussi Louis Lachance que j'ai vu tout à l'heure. Mais bienvenue! Vous continuez de me suivre, ça, c'est encourageant. Alors aujourd'hui, je me suis attachée des cheveux, savez-vous pourquoi? Parce que la coiffeuse me manque. Moi, on dit que ça manque, les coiffeuses, dans ce sens-ci. Mais ça, en tout cas, c'est pas si grave que ça, parce que je suis capable de me faire les cheveux moi-même. Bon, alors aujourd'hui, dans le live d'aujourd'hui, la chanson thème du live, c'est « Danser ma vie ». Et la question du jour, c'est « Est-ce que vous vivez la vie que vous voulez? » Avez-vous réalisé vos rêves? Vous sentez-vous libre de pouvoir aller de l'avant dans vos ambitions, dans vos rêves? Est-ce que vous êtes freiné par des choses? Et là, je vois qu'il y a Caro Laurendeau qui vient de se connecter. Salut, ma belle Caro! On la rejoint tout à l'heure à 15h45 pour qu'elle vienne nous dire à sa façon, elle, si elle vit la vie qu'elle veut. Et aussi, on va la connaître un petit peu parce que Caro Laurendeau, ça vaut la peine qu'on la connaisse. Elle est formidable. Puis sur un thème comme « Danser ma vie », elle va très bien. Elle est pleine d'énergie puis belle comme un cœur. Voilà. J'ai reçu un appel. Il ne faut pas appeler pendant que je suis en live parce que je ne peux pas répondre. OK. Alors, info carrière. Bon, puis info tout court. Bon, encore une fois, cette semaine, je suis allée voir sur Poste d'écoute pour l'extrait « Belle Rebelle ». Et ça a été downloadé dans plusieurs régions, mais il en manque encore. Il y a des régions où normalement on m'écoute et puis les radios n'avaient pas encore été chercher la chanson. Alors je me fie sur vous autres, là. Allez demander à vos radios pour pouvoir jouer l'extrait. Sinon, ben, vous ne m'écouterez pas dans votre patelin, puis par chez vous, puis on ne me connaîtra pas par chez vous. Je me fie sur vous autres pour me faire connaître un petit peu partout. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, la même chose que les semaines précédentes, j'ai beaucoup travaillé sur les montages parce que pour vous présenter des clips comme ça tous les jours, là, pensez pas que je fais ça comme ça. D'abord, je vais vous dire qu'une journée là, dans ma vie, là, c'est 6 heures le matin que je suis debout. Tous les jours, 6 heures, je suis debout. Et à 6h30, j'ai commencé à travailler, je suis à l'ordinateur. Et puis, je commence à penser la chanson du jour, monter un clip pour ça. Mais je ne fais pas ça le matin même. Là. J'ai déjà pensé dans la semaine, qu'est-ce que je vais dire, puis etc. Parce que, bon, c'est sûr que je ne peux pas improviser ça. C'est impossible. Donc, je prépare les clips du mieux que je peux. Je ne suis pas du tout, monteuse. Je ne sais pas faire nécessairement des montages vidéo, mais je les fais à ma façon. Juste pour illustrer ce que je veux chanter. J'aime ça, illustrer ce que je chante. Ça fait beaucoup plus comprendre c'est quoi l'idée derrière la chanson. Alors, c'est comme ça que je fonctionne. Puis, je fonctionne aussi comme ça en spectacle. Si vous venez me voir en spectacle, vous allez voir, il y a toujours de l'image qui illustre ce que je dis, ce que je chante, en fait. Et puis, ben, ça permet vraiment de comprendre l'esprit. OK. Alors, les émissions live, ça aussi, ça se monte parce que, et puis c'est du temps. Mais je remercie la vie, puis je suis super contente de faire ça. J'aurais jamais cru retourner dans mes souvenirs autant que ça. Chaque fois que je veux faire une émission comme ça, je me recule dans le temps, puis il y a des choses que je me souvenais plus, même pas pantoute. Puis là, je suis dans les archives, puis dans les trucs, puis je me dis, mon Dieu! J'en ai donc bien fait des choses dans ma vie. Moi, on t'a dit, je dois être vieille. Je dois être vieille pas mal. Mais en tout cas, j'ai fait des choses, ça n'a pas de maudit bon sens. Donc, je monte ça, puis là, je m'en vais voir ces archives-là. Puis ça me fait triper, j'aime ça. C'est un retour à l'arrière, puis bon, ça m'encourage. Alors, je voulais, aujourd'hui, c'est cette semaine,
qu'on a fêté, on ne peut pas fêter ça, mais qu'on a souligné le premier anniversaire des inondations à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Alors, la semaine passée, ma soeur Sylvana était avec nous autres sur le live. Peut-être qu'aujourd'hui, elle travaille parce que, bon, ben, ma soeur Sylvana, elle travaille auprès des personnes âgées, préposées aux bénéficiaires. C'est un travail, une profession que j'admire incroyablement. Tous ceux qui font préposés aux bénéficiaires, je vous lève très haut mon chapeau. Vous êtes admirables. Vous êtes au front. Alors, mais les personnes âgées ont tellement besoin de vous. Alors, aujourd'hui, ben, je te lève mon chapeau, ma soeur Sylvana, et Karina aussi qui est au front. Et aussi, vous donner des nouvelles de Sylvana, parce que quand c'est arrivé l'année dernière, sa maison, bon, le barrage, pour ceux qui ne savent pas là, ce qui s'est passé il y a un an précisément, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, il y a eu une grande, grande catastrophe, je ne dirais pas naturelle, parce que c'est en fait un barrage qui a cédé, et ça a inondé une grande partie de Sainte-Marthe, et la maison de ma soeur était parmi ça, elle était sinistrée complètement, donc zéro, et il n'y avait plus rien à aller retirer de ça. Par contre, la structure de la maison, ils l'ont gardée, et cette année, ben, ça l'a fait un an, cette semaine que c'est arrivé, ce drame, et ça fait 2 semaines qu'elle a pu récupérer la totalité de l'argent que le gouvernement avait promis pour ça. Alors, je voulais vous dire à ceux qui l'avaient aidé financièrement, parce qu'on avait fait une levée de fonds, alors tous ceux qui l'ont aidé financièrement, elle vous remercie infiniment, elle a eu besoin de vous, et puis elle vous en remercie beaucoup, et aujourd'hui, ben, ça va bien. Je voulais aussi, tant qu'à y être, lever mon chapeau à mes amis belles rebelles. La belle Yolaine, tout à l'heure, je suis allée te voir, j'étais sur Facebook, puis mon chum, j'étais en train de travailler sur l'ordinateur, puis là, ça chantait « Belle et rebelle, belle et rebelle ». Ben, c'est quoi ça? Mon chum me dit « Viens voir, viens voir ». Fait que je m'en viens voir dans la cuisine, c'est ma belle Yolaine dans sa petite décapotable, puis qui chantait, puis qui disait comment la vie était belle, puis comment elle nous aimait, puis comment elle aimait tout le monde. C'est beau de voir du monde positif, ça donne maudite bonbon avec le thème aujourd'hui, danser ma vie. C'est sûr, s'il faut danser sa vie, écoute, on en a rien qu'une, si on la danse pas, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut surtout pas la pleurer. Alors, puis si jamais on la pleure, il faut se ressaisir, puis faire ce qu'il faut pour finir par la danser. C'est ce qu'il faut faire. C'est le thème aujourd'hui. Alors, voilà. Moi, je vous ai parlé d'une journée dans ma vie. Une journée qui commence à 6 heures, puis qui se finit. J'essaie de la faire finir à 7 heures. Puis à 7 heures, ben, je la consacre le reste du temps à mon chum, puis à regarder des séries. Des fois, j'aimerais ça regarder aussi sur l'ordinateur ce qui se passe, mais je m'oblige à ne pas le faire parce que j'ai assez passé de temps dessus. Donc, on regarde des séries, puis, je ne dirais pas, on fait des séries, mais peut-être qu'on en fait aussi. On en profite, on est en confinement. Qu'est-ce que tu veux? Ah, ben, c'est pas nous autres qui va donner naissance dans 9 mois. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça se peut plus. OK. Alors, en tant que. J'ai écrit une tonne de choses. Je pensais pas qu'une artiste pouvait arriver à faire ça. Alors, je auto-gère ma carrière, ce qui implique énormément d'affaires. Alors, je vais regarder là, sur ma petite liste que j'ai faite en arrière. Il faut vous tasser un petit peu. Alors, mon travail au quotidien, c'est ça pour le moment. Mais sinon, il y a l'écriture. J'écris mes chansons. Après, il faut aller les produire en studio. Après, il faut faire l'album. Puis moi, dans l'album, je fais tout, hein. Je fais la pochette, je fais absolument tout, en fait. Je fais la mise en marché, je fais le marketing, je fais le graphisme, la visibilité de tout ça. Là, avec le Club des Belles Rebelles, ben, c'est l'enfer, le travail. Les objets promo, les vêtements. Alors, les vêtements, je ne sais pas si vous avez remarqué, ma petite vévesse, c'est une petite vévesse Belle Rebelle. Oh oui, je vais vous en montrer quelques-uns d'autres des vêtements. À chaque live, je vais vous montrer quelques petits vêtements. Hey, salut Jean-Marie, Sakala, yeah. Bienvenue sur mon live. Daniel Lyon,
Hey, Daniel, j'ai fait ta tasse. Bon, Daniel, puis beaucoup d'autres. La semaine passée, je vous ai montré que j'avais reçu des tasses et puis que ces tasses-là, avec la chaleur, on mettait un dessin dessus, des tasses Belle Rebelle. Puis avec la chaleur, la tasse qui est noire ou bleue ou rouge, eh bien, elle devient blanche et puis le dessin apparaît. Regarde. Daniel Lyon, t'es là, hein? Ça, c'est ta tasse, mon Daniel. Puis attends un petit peu, je vais faire quelque chose. Je suis allée me remplir une gourde. Ça, c'est une gourde pour tenir chaud puis pour tenir froid. Puis dessus, c'est « On est-y ben, on est-y ben, on est-y assez ben. » Fait que, regarde bien, j'ai mis de l'eau chaude là-dedans. Puis ça, c'est ta tasse. OK? Puis ta photo, tu te rappelles la photo que tu m'as envoyée? Aïe, c'est chaud. Allez. J'espère que ça va. Ah, il faut que ça change. Oui, ça s'en vient. Vous voyez, il va apparaître là? Oui. Alors, ça, c'est Daniel, Ghislaine et Nancy. Ça prend un petit peu de temps avant que ça vienne complètement blanc, là. Le temps que la chaleur, que la tasse assimile la chaleur, en fait. Voilà. Puis, tu as le Club Belle Rebelle ici, de l'autre côté. Mais ça va devenir tout blanc, là. Le noir apparaîtra plus. Je vais vous la montrer, mais qu'elle soit tout blanche. Bien! Alors voilà ça. Et puis Yolaine, tout à l'heure, je t'ai vu quand tu étais sur ton live puis que tu chantais Belle Rebelle, puis tu m'as demandé une casquette Belle Rebelle noire, hein. Ben, je te dis que ça a été populaire les casquettes Belle Rebelle noire. Mais celle-là, je te la garde, Yolaine. C'est ta casquette Belle Rebelle noire avec de l'argent. Mais tu l'aimerais aussi peut-être celle-là. Toi, t'aimes ça là, les brillants. Elle brille. Belle Rebelle qui brille. En tout cas, on verra. Il y en a tout plein d'autres. Tu choisiras. Puis là, il y en a une belle blanche. Elle est belle, celle-là aussi. Bon. Et puis, je me suis défaite les cheveux. Pas grave. Et puis, je vais vous montrer d'autres trucs que j'ai fait aussi cette semaine. Des messieurs. Ils m'ont tellement demandé, les gars, si j'allais faire des bobettes. Vous voulez des bobettes? Pourquoi si vous voulez des bobettes? Mais pas besoin de ça, on va vous les enlever, mais oui. Bon, alors, j'ai fait des bobettes de gars. Est-ce que ça se voit? Belle Rebelle pour des gars. C'est des genres de boxeurs en tissu jeans, là, en jeans. Bon, puis celle-là aussi. Voilà. Bon, ben c'est assez là pour le montrer. Oh oui, des bobettes de filles. Ça, c'est des petites bobettes de filles. Bon, Belle Rebelle. Voilà. Bobette de femme. OK. Alors, puisqu'on a tout fait ça, maintenant, je passe à ma bio en chanson. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous faire 5 chansons pendant le live, en espérant qu'on aille assez de temps, parce que je sais que je parle. Bon, c'est bon, je suis dans le temps. C'est à 15 que je commence à bio normalement. Alors, ma bio en chanson, 5 chansons pendant le live, et puis... Là, cette fois-là, la dernière fois qu'on s'est quitté, lundi dernier, lundi, j'avais produit l'album de l'Acadie à la Côte-Nord avec Alba Babin. Et puis, cet album-là, de l'Acadie à la Côte-Nord, je vais vous le montrer parce que peut-être qu'il y en a que Gilbert est là. Gilbert, t'as réussi à embarquer sur le live. T'es bon, Gilbert. Ça, c'est la Suisse. C'est un ami de ça fait longtemps. Il dit qu'il adore mon accent. Bon, c'est bien. Bon. Alors, l'album que j'avais fait avec Albert Babin, c'est un des premiers. Je l'ai fait en 1998. Alors, c'est celui-là. De l'Acadie à la Côte-Nord. La semaine passée, je vous ai montré la cassette. Ben là, aujourd'hui, je vais vous montrer le CD. Alors, ce CD-là, j'en ai vendu, mon Dieu Seigneur, des centaines et jusqu'à des milliers, certainement. Parce que ça s'est vendu dans les autobus. À l'époque, moi, je ne faisais pas de spectacle. Ça ne s'est pas vendu dans des salles de spectacle. Ça s'est vendu dans des autobus.
Il faut que je détache mes cheveux. Une chance qui est là, puis il me dit que c'est que j'ai. Alors, je disais que, bon, cet album-là, je l'avais donc vendu dans des autocars. Et ça s'est retrouvé, je guidais des Français, donc ça s'est retrouvé en France. Mon Dieu, moi-même, chaque fois que je faisais un autocar, c'était une cinquantaine de personnes. Et puis tous les amis guides et chauffeurs qui guidaient aussi des autocars vendaient eux aussi mon album sur les autocars. Et puis bon, ça s'est ramassé en France beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pendant 2 ans, de 98 à 2000, je vends cet album-là tout le temps, je chante dans les autocars, etc. Et c'est, ça se retrouve en France. Tout à coup, un jour, en 2000, le téléphone sonne et c'est la France. Et c'est une station de radio CFM en Normandie, à Coutances en Normandie, qui me téléphone puis qui me dit le public ici, les gens, les auditeurs voudraient te voir en spectacle. C'est quand que tu donnes des spectacles en France? Alors moi je dis c'était pas du tout dans mes intentions, j'avais pas prévu ça. Alors c'est Pascal Leperchois son nom. Alors Pascal il me dit c'est trop dommage parce qu'on a des appels, on fait jouer tes chansons ici, puis on a beaucoup d'appels pour tes chansons. Alors je dis écoute, je sais pas, un jour peut-être, puis moi je prends pas ça nécessairement au sérieux. Alors Pascal me dit dans quelques mois il y a une grosse rencontre des radio leaders de France à Béziers. C'est une rencontre annuelle. Et puis, cette année, on fait un concours. Chaque radio présente une découverte. Est-ce que tu voudrais, accepterais-tu qu'on te présente comme découverte de notre radio? Ah, ben, j'ai dit, oui, pas de problème. Présente-moi comme découverte de ta radio. Il n'y a aucun trou. Mais là, c'est ce qu'il fait. Moi, j'oublie ça, là. Je pense pas à ça. Alors, 2 mois après, le téléphone sonne et c'est Pascal Leperchois, Radio CFM, qui dit « tu es en nomination. Tu as gagné. Les gens adorent. » Puis là, il faut que je vous dise quelle chanson qui est en nomination. Une chanson de Guillaume Malestoc, « La Côte-Nord ». Alors, à cette époque-là, je vais te dire, j'étais un produit très typique, très... comment qu'on pourrait dire ça? Un produit du terroir québécois en chanson. Alors, mon album de l'Acadie à la Côte-Nord, ça parlait de l'histoire des Acadiens jusqu'à mon lieu de naissance, Havre-Saint-Pierre. Donc, cette chanson-là devient numéro 1 en Normandie, dans le coin de Coutances. Ça fait... Donc, j'ai dit OK. Il dit, il faut que tu viennes en France. My God, j'ai dit OK. Je savais pas trop. C'était pas prévu du tout. Bon, je dis à mon chum à l'époque, puis je dis, écoute, je vais y aller en France. Au pire, allez, ça va me faire des vacances, puis ça va me faire voir la France, puis c'est tout. J'avais déjà été avec mes amis en tourisme. Ça aurait été la deuxième fois. Je dis, il faut aller faire un tour, je vais aller voir la Normandie. Alors, je m'en vais là, en France. Et de Normandie, on se dirige vers le sud, vers Béziers. Et c'est là qu'au Palais des Congrès, je vais chanter la chanson de la Côte-Nord devant tous les directeurs de stations de radio leader. Et là, je ne sais pas, c'est certainement mon accent. Tu sais, Gilbert a dit, t'as un accent que j'aime. C'est certainement mon accent, puis mon tempérament aussi. Parce que bon, c'est sûr que je ne suis pas tempérament à la française. Moi, je ne suis pas coincée, mais pas pantoute. Je suis expressive, je suis québécoise. Friendly, puis bon, moi, tout le monde est mes amis, puis il n'y a pas de chichi, puis de... Donc, eux autres, ils n'avaient pas vu ça, là, parce que le star system là-bas, là, c'est très coincé et c'est très froid. Tu approches pas les artistes comme tu veux, là, c'est froid. Alors, moi, je connaissais pas encore ce qu'était que le star system en France à cette époque-là. Mais, je me retrouve au Palais des Congrès avec des grands noms. Chacha Distel, qui était là, Alice Donna, Laurie, Francis Lalanne. Alors, tous ces noms-là, le soir où j'ai chanté La Côte-Nord devant les stations, devant les directeurs, il y avait un gros spectacle le soir. Moi, je n'étais pas invitée au gros spectacle. Mais le directeur de station de radio, Pascal, a rencontré Francis Lalanne. Et Francis Lalanne m'a trouvé super sympathique. Et m'a dit, je
te veux, je vais te faire une place, je vais te présenter. » Alors, il m'a présenté. Alors, la petite fille qui partait avec rien du tout se retrouve sur la grande scène du Palais des Congrès de Béziers. Et là, je chante. Et puis là, ben, c'est l'engouement. C'est... Après ça, ben, ça a fait boule de neige. Ça, c'est parti comme ça, de directeur en directeur qui voulaient m'avoir dans leur région. Et là-dessus, ben, je suis retournée à Coutances. Et puis, j'ai connu quelqu'un là-bas qui s'appelle Pierrot, qui est demeuré mon ami, qui est encore mon ami. Je ne sais pas si Pierrot puis Marité, vous êtes sur mon live en ce moment. Si vous êtes sur le live en ce moment, faites-moi signe, parce que là, je vais parler de vous autres. Alors, Pierrot est resté ami. Puis, c'est comme ça aussi que j'ai beaucoup d'amis. Tous ceux que j'ai guidés dans mes autobus, puis par la suite, tous ceux chez qui je suis allée en spectacle dans leur région. J'ai fait 70 tournées en France. Je devrais être là en ce moment même, je devrais être en France. Là, je ne suis pas là parce qu'il y a le COVID, puis que les tournées ont été annulées, mais ce serait ma 71e tournée là-bas. Alors, voilà, des Français, j'en connais, puis j'en connais dans toutes les régions de France, puis j'ai plein d'amis. Alors, les Français qui sont à l'écoute, je vous salue! Et puis, j'ai bien hâte de retourner vous voir très, très bientôt. On va y aller au mois de novembre. Alors, je retourne à Coutances, et puis là, extrémiste, Radio Normandie, décide qu'on va aller dans un petit pub qui s'appelle le Caribou, à Mortagne-en-Perche. Et c'est là que je vais faire mon premier spectacle de tout. Alors, Mortagne-en-Perche, c'est connu parce qu'il y avait beaucoup de Canadiens qui après la guerre, qui sont enterrés là-bas à Mortagne-en-Perche. Il y a une grosse histoire avec les Canadiens. Donc, voilà, ça, c'est ma première approche. Je suis... comme ça, jeté en France, et puis ça continue. Et il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. L'année d'ensuite, là, on produit un spectacle au Théâtre de Coutances. Le Théâtre de Coutances, là, c'est pas un petit théâtre, là, c'est 500-600 personnes, au moins 500-600 personnes. Et à cette époque-là, j'ai pas beaucoup d'albums. J'ai produit l'album de l'Acadie à la Côte-Nord, et là, je vais faire l'album, voyons, L'Acadie n'a pas de frontières. Et c'est ça, avec ces deux albums-là que je vais aller chanter un spectacle au Théâtre de Coutances. C'est un de mes plus gros spectacles que j'ai fait dans les premières années. Et ça a été un succès incroyable. Le théâtre, il était plein. Juste pour vous dire comme c'est fou, là, on avait vendu, il y avait deux albums de disponibles cette soirée-là, à la fin de la soirée. On avait vendu pour 3000 euros en CD, juste en CD. Et là, je vous parle pas du cachet, qui à l'époque était merveilleux. Ça a bien changé, malheureusement. Alors, nous autres, je me rappelle, j'arrivais chez Hervé puis Marie-Claude avec tout ça, là, on tripait. Hein. Hervé et Marie-Claude doivent m'écouter en ce moment. Je vous salue, mes amis. C'est avec vous autres qu'on a fait ça. C'était bien. Donc, t'as dit quoi? Chante qui dit. OK. Alors, je m'en vais vous chanter la chanson qui m'a amenée en France. C'est une chanson de Guillaume Malestoc et c'est la Côte-Nord. Yeah! C'est l'histoire d'un coin de terre dans le nord-est québécois, un pays comme on en voit guère dans le reste du Canada. Il y a un fleuve aussi grand que la mer, de Tadoussac à Blanc-Sablon, tellement de lacs, tellement de rivières qu'il n'y en a qu'en pas encore de nom. Il y a encore des grosses familles de 12 à 18 enfants, ça en fait des gars et des filles dans les noces au jour de l'an. Sur le quai de chaque village, quand il y a plus de route ni de pont, on va tous voir ceux qui voyagent quand il y a le bateau ou l'avion. Ici on connaît la nature, les quatre vents et les quatre saisons. On s'habitue à la température,
parce qu'on connaît la chanson. Ici on mange du viande sauvage, tout autant que du poisson. La chicoutée, des bleuets, des framboises, des fruits de la mer ou du saumon. À vous autres. La 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 la. Vous en entendez alors? La. De la ville et tous les biens de consommation. On est peut-être à des centaines de mille, des grands bassins de population. Mais nous, le stress, on n'en a que faire, sans parler de la pollution. Nous, on préfère avaler notre bière dans les bars de la région. Il y a aussi à l'intérieur des terres des chemins et des voies ferrées. Dans les montagnes, il y a tant de choses à faire pour relaxer ou pour travailler. Il y a des îles au bord de la côte, des paysages qui font rêver. Et c'est la fête d'un village à l'autre, à la longueur de l'année. Si vous passez par Baie-Sainte-Catherine, la traversiez, traversez donc. Et vous verrez que la côte nord est digne des plus belles chansons. Le nord du nord, c'est le paradis sur terre. Qu'on soit propre ou marin, venez visiter la terre de mon grand-père. Et puis celle des Amérindiens. La 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 la, plus fort. La 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 la. C'est l'histoire d'un coin de terre dans le nord-est québécois, un pays comme on en voit guère. Dans le reste du Canada, à la Romaine ou à la Tabatière, les Trinités ou l'île à Michon, aux Escoumins ou bien Havre-Saint-Pierre, bienvenue chez nous, vous dira-t-on. Au Bergeron ou à Rivière-aux-Prennes, il y a Saint-Jean ou Saute-aux-Moutons, à Harrington ou Tête-à-la-Baleine, bienvenue chez nous, vous dira-t-on. La la la. La Côte Nord. Alors, c'est avec cette chanson-là que je me suis rendue là-bas. Et c'est de cette chanson-là qu'est partie toute la carrière en France, en fait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas et que je suis pas... Pendant que j'étais là-bas, j'étais pas ici, j'étais pas au Québec. Et quand on me demande pourquoi, ben, par la force des choses. Alors, je pouvais pas être sur deux continents. La première année, là, je suis allée 4 fois en France. La deuxième année, autant, et en 2004, je suis allée 6 fois en France. Alors, j'étais quasiment constamment là-bas, donc je ne pouvais pas être sur les deux continents en même temps. Alors, une toune de Joe Dassin, ça se peut-tu, ma belle Caro? Oh, oui, ça se pourra, Steve! Ça se pourra dans un des lives, tu vas me laisser me préparer pour ça, puis moi, je vais faire ça, c'est sûr. Il va falloir que je la prépare. Une petite gorgée, hein? Ça, si c'est une toune de Joe Dassin, pas pour toutes, c'est pas une toune de Joe Dassin certain. OK. Alors, en France, bien entendu, quand j'arrivais là avec cet accent-là, tout le monde pensait que j'étais une Québécoise, bien entendu. Ben, je suis Québécoise. Mais le monde disait, « Ah, mais quel bel accent canadien! » Et puis moi, je répondais, « Non, c'est un accent acadien! » Alors, aussitôt que j'avais dit le mot « acadien », c'était pas parti que on me chantait tous les Acadiens, tous les Acadiennes. Alors, tous les Acadiens, tous les Acadiennes, ça fait partie de l'album de l'Acadie à la Côte-Nord. Et c'était aussi une chanson qui m'a collé au cul, à la peau, à quelque part. J'ai rencontré Michel Fugain aussi. Je suis allée jaser avec lui. Je suis allée dans ses studios ici les Moulineaux. J'habitais ici les Moulineaux, donc ce studio était là-bas. On est allé, j'allais le voir, j'allais me présenter puis parler de cette chanson-là. Alors, au lieu de vous en parler, ben moi, vous la chanter. Avec cette chanson-là, j'ai gagné des prix aussi. Alors,
Allez, on y va! Tout le monde ensemble, êtes-vous prêts avec moi? Go! Y'a dans le sud de la Louisiane et dans un coin du Canada des tas de gars, des tas de femmes qui chantent dans la même langue que toi. Mais quand tu joues de la musique, c'est celle de Rufus Thibodeau qui rêve encore de l'Amérique. Y'a des bébés, le grand-papa qui pensait peu, qui pensait pas. Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont chanter et vont danser sous les violons. Sont américains et sont américaines. La faute à Guidon, la faute à Napoléon. C'est chouette, on se met de la crème sur les joues. Et ceux qui en font la cueillette finissent la journée sur les genoux. Alors soir ils font de la musique dans celle de Rufus Thibodeau. Pour oublier que l'Amérique c'est plus celle de grand-papa. Ça a bien changé depuis ce temps-là. Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont chanter, vont danser sous les violons. Sont américains et sont américaines. La faute à Guidon, la faute à Napoléon. Et pour voir peupler l'Amérique à la manière de grand-papa, y'a plus ça qui ne change pas. Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont chanter, vont danser sous les violons. Sont américains et sont américaines. La faute à Guidon, la faute à Napoléon. À vous autres. Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont chanter, vont danser sous les violons. Sont américains et sont américaines. La faute à Guidon. Yahoo! Salut Frankie américain. Salut Fabrice. Salut tout le monde. Oui, les albums, j'ai vu Gilbert qui demandait où est-ce qu'on pouvait les procurer. Ben, ici, par moi, sur mon site internet. Oh oui, si vous avez manqué des lives, puis que vous dites, ah, oh, ben mon Dieu, j'ai manqué les premiers lives, puis pour ne rien manquer, caroline-jonf.com, c'est mon site internet. Et en ce moment, on est en train de le rendre plus agréable, plus visible. Il va être mieux répertorié. Et tout ça par grâce à PPS Canada. Pour ça que je salue Steve Godbout et je salue aussi Valérie qui est là aussi, que j'ai vu passer tout à l'heure. Donc, merci. Et puis, très bientôt, on va faire une émission pour mon entrée chez PPS Canada. On fêtera ça quand ça va être possible qu'on puisse le faire. OK. Alors là, c'était la bio pour aujourd'hui. On est toujours en France. Il me reste encore tellement de choses à vous dire sur mes tournées en France. Mais la semaine prochaine, lundi, je vais parler des prix que j'ai remportés là-bas. J'ai gagné un Country Award là-bas. J'ai gagné aussi, au niveau des radio leaders, chanson de l'année avec une chanson country, bâton rouge. Vous savez, quand je suis arrivée là-bas, là, le monde, il ne savait pas comment nommer ma musique. Alors, pour eux autres, c'était du country. Pour moi, c'était plus folklorique que country. Mais ils ne savaient pas comment nommer ça. Donc, c'était du country, mais en français. Puis, ça ne se pouvait pas. Les autres, ils n'avaient jamais entendu ça de leur vie, là, du country en français. Ce n'était pas possible. Alors, donc, ça, là, une petite PPS, là. OK. Alors, le site Internet apparaît. Vous pourrez aller voir les commentaires par la suite. J'ai fait du country en français et j'ai été la première à faire du country en français en France. D'après moi, j'ai été la première à faire ça. Peut-être qu'il y en a qui le faisaient, mais sans dire, c'est du country en français. Voilà. OK. Maintenant, on passe à notre chanson d'aujourd'hui. La chanson d'aujourd'hui, c'est « Danser ma vie ». Et on va finir un tout petit peu plus tard parce que, bon, j'ai eu une petite... Vu qu'on est obligé de se déconnecter, se reconnecter, bon, j'ai pas... Alors, ma belle Caro, je vais t'appeler dans pas grand temps.
Alors voilà, dans mon live aujourd'hui, je vais mettre la chanson Le cœur dans le noir. Ce matin, ma chanson du jour, c'était Cœur dans le noir. Pour pouvoir danser sa vie, il faut être libre dans son cœur. Quand on a le cœur qui fait mal, quand on a mal à la vie, on ne peut pas danser sa vie. Et moi, dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui avaient justement des mal à l'âme. C'est des vieilles blessures. Et ces vieilles blessures-là empêchent des gens de pouvoir ouvrir leur cœur, voir la lumière au bout du tunnel. Alors, moi, je me suis attachée à des gens qui comme ça. Mais ces gens-là, souvent, sont des gens plutôt négatifs. Et moi, j'ai vraiment besoin de positif dans ma vie. Alors, mais ce que je peux faire, par contre, ce que je peux faire, c'est au moins pouvoir écrire en écoutant ma chanson. Peut-être que ça peut vous aider à pouvoir avancer vers quelque chose de mieux, de pouvoir aller voir la lumière, parce que il y a de la lumière. Alors voilà, ma chanson, c'est une toute nouvelle chanson, ça se retrouve sur l'album Belle et Rebelle, et puis c'est pour tous ceux qui ont mal à l'âme et qui voudraient donc trouver le soleil, le cœur dans le noir. Dans le noir, ton cœur est enfermé dans le grand désespoir d'un enfant blessé. Et toute ta vie, ton cœur t'a faussé la vérité, refermant chaque fois la lumière qu'on aurait pu allumer. Ton cœur ne veut pas voir et ne veut pas écouter. Alors ce qu'il voit et entend, c'est ce qu'il a imaginé. Des mots guidés par la peur et par des tonnes de rancœur. Alors tu auto-détruis tes relations et ta vie. Avec la haine comme ami, ce sera pour toi toujours la nuit. Pour toi, toujours la nuit.
Alors, je vais... Ah, ben, Colin! Si, voilà. Excusez-moi, hein, mais ça coupe. Puis, j'ai beaucoup de misère. Il faut que je ferme mon téléphone puis que je le réouvre pour que ça puisse repartir. Bon, ben, alors, regarde, on va y aller tout de suite. Danser ma vie. Alors, pour danser ma vie, il faut, autour de nous, avoir que du positif. Alors, moi, j'ai décidé que j'enlève tout le négatif d'autour de moi. Alors, toute jalousie, toute envie, toute hypocrisie, tout ce qui finit par i, j'enlève ça d'autour de moi et j'avance. J'avance vers le beau, vers le vrai, vers les vraies choses. Et je danse ma vie. Alors, vous autres, si vous voulez me suivre là-dedans, si vous voulez danser avec moi, ben, danse avec moi. Et ensuite, on va l'appeler Carole Rondeau. Wouhou! Pas rien, regarde bien, je suis riche à craquer. J'ai 4 saisons, des chansons et un cœur pour t'aimer. Que je te donnerai entièrement si tu veux bien danser. Allez, viens, mon bel amour, viens valser dans ma gala. Viens faire de mon grand fouillis notre nouvelle libre. Viens prendre mon monde à l'envers pour le remettre à l'endroit. Tout ce que j'espère sur cette terre, c'est danser ma avec toi. Si tu me suis, on ira où la vie veut nous mener. Mon amour, j'ai pris rendez-vous avec la liberté. Y a pas de rêve auquel on croit qu'on ne peut réaliser. On y arrivera, crois-moi, mais ce soir, viens danser. Allez, viens, mon bel amour, viens passer dans ma galère. Viens faire le monde enfoui. Notre nouvel univers, viens prendre mon monde à l'envers pour le remettre à l'endroit. Tout ce que j'espère sur cette terre, c'est danser ma vie avec toi. Si tu me suis, mon bel amour, on cherchera le bonheur. Moi, je sais où il se cache, il est là dans mon cœur. Le bonheur, tu sais, dans la vie, il n'est jamais bien loin. C'est une place au chaud dans notre lit et du pain chaque matin. Allez, viens, mon bel amour, viens passer dans ma galère. Viens faire le monde enfoui, notre nouvel univers. Viens prendre mon monde à l'envers pour le remettre à l'endroit. Tout ce que j'espère, c'est cette terre. Avec toi. Allô, ma belle amie! Attends, un petit peu, là, on va essayer de te mettre du son. Oh. Attends, un petit peu, moi, Caro, je vais te mettre plus fort le son parce que... OK, parle-t-on? Parle-voix. Est-ce qu'on m'entend? Un, deux, un, yes, deux. On t'entend. On entend bien? Bon, oui. On a-tu de la misère avec nos internets? Petit internet, ça n'a pas de maudit bon sens, hein? Ça a de la... Ben, t'as pu, je vais essayer de... J'ai perdu deux fois la connexion, puis je ne sais pas pourquoi j'ai perdu la connexion deux fois.
Bon. En tout cas, anyway, t'es là, puis ça me fait bien plaisir de te recevoir. Caro, je vais parler de toi un petit peu, puis après ça, tu vas te présenter tout seul. D'abord, je l'ai dit, hein, Caro, tu es du Lac-Saint-Jean, hein, Caro Lerondeau? Tu es native de là-bas. Je suis pas native de là du tout. Là. Non, native, ben, tu habites là. Je suis native de Trois-Rivières, moi, mais je suis partie très, très jeune. Et j'ai grandi en Estrie à Sherbrooke. Donc, toute ma famille, mes parents viennent de l'Estrie. Fait que mon sentiment d'appartenance est beaucoup là-bas. Mais ça fait quand même 11 ans que je demeure ici au Saguenay. Là. Donc, je m'adapte bien et je commence à m'y faire. Là. J'ai un petit peu de sang de bleuet. Là. Oui, 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 ah oui. Puis t'as du tempérament, c'est pas. Puis ça donne bien dans mon live d'aujourd'hui. T'es une femme à tempérament. Je vais expliquer aux gens où est-ce qu'on s'est trouvé, où est-ce qu'on s'est vu la première fois. La première fois qu'on s'est vu, c'était à Saint-Tite, Caro. Oui, hein? Tout à fait. On avait un kiosque ensemble. T'étais, à l'époque, t'étais avec Christian. C'était Christian et Caro. Christian. Eh oui, et beaucoup de gens me confondaient parce que j'avais les cheveux rouges aussi. Oui, mais ça fait pas très longtemps que tu n'as pas les cheveux rouges, hein? Ben là, ça fait peut-être 4 ans, là, à peu près 4 ans que j'ai enlevé ça, là, fait que 4-5 ans. Mon Dieu, ça fait longtemps qu'on s'est vu. J'ai toujours vu, ben j'ai rouge, écoute, j'ai eu rouge, mais j'ai eu beaucoup de couleurs, là. J'ai eu rouge, j'ai eu mauve, j'ai eu orange, donc ouais, j'aimais beaucoup les couleurs. Alors là, Caro, tu t'arrêtes pas, toi, t'arrêtes jamais. Ton émission est sûrement en suspens. Veux-tu nous parler un peu de l'émission que tu produis avec ma TV? Oui, ben j'ai une émission sur les ondes de Arte, pas TV, de ma TV. Ma TV, oui. donc, Aller-Retour Country, on a 4 saisons. Présentement, c'est la 4e saison qui est en onde. C'est une émission qui est tournée ici au Saguenay. Diffusé partout au Québec. Et le concept de l'émission, en fait, on reçoit un artiste du milieu country et un artiste du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que quand je suis arrivée ici, je me suis rapidement fait plein d'amis et j'ai constaté qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de talent ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que j'avais le goût de faire ces rencontres-là aussi parce que c'est des artistes qui ne sont pas nécessairement dans le milieu country. Fait que ça donne place à des beaux moments, puis ils s'y prêtent évidemment, parce que là, c'est là qu'on constate, on l'entend souvent, là, cette phrase-là. Ben moi, dans ma famille, mon père, il écoutait ça, puis bon, bref, ça donne place à des beaux moments de visite. J'ai eu la chance de faire ton émission, Caro, puis oui. C'est vraiment une émission de qualité. T'as un orchestre, ils sont formidables, l'orchestre est formidable, et le staff, les gens qui sont autour de toi sont vraiment bien, t'es bien entouré pour cette émission-là. Extrêmement choyé, ça, je le dis souvent, là, mais c'est un projet que je porte vraiment fièrement, c'est mon bébé. Là, ça fait plusieurs années que j'avais ça en tête, puis le temps de mettre ça en place, et quand ça a eu lieu, d'aller chercher les bonnes personnes aussi qui ont la même vision que toi. Donc, bien fière de ma gamme. Ben, moi, je suis fière de toi, puis pas rien que ça. Cette année, c'était l'année Caro Lerondeau. On entendait parler que de toi partout. Tu as gagné des prix et des prix, et c'était vraiment... Écoute, tu te démarques dans le milieu du country. Tu es une artiste country que moi, j'apprécie et admire beaucoup. Je t'adore. Pas rien que parce que tu chantes bien, ben par la fille aussi. J'aime beaucoup la fille que tu es, l'attitude que tu as. Raconte-nous, cette année, tu as gagné des beaux prix. Oui, vraiment, ça a été toute une année de reconnaissance, là. Oui. Vraiment que je ne m'attendais pas du tout. Au gala Culture Country, donc album country de l'année, oui. Chanson de l'année, émission de radio de l'année et interprète féminine de l'année aussi. Donc, c'est fameux, prix. C'est merveilleux. Il faut dire que c'est mes premiers prix, hein, j'ai jamais gagné aucun prix. tu le méritais grandement. Et là, j'en ai eu 4. Donc, j'ai fait ça d'une chance. j'ai tout vu ça aller, puis j'étais tellement contente c'est pour toi. C'est bonjour de Zoé. Ici, c'est ma petite Zoé. Ta petite Zoé. Oh là là. Et la semaine prochaine, mon émission, Caro, c'est sur la carrière et la famille. T'aurais donc été aussi une bonne invitée pour la carrière et la famille. Je t'aurais vu là. Alors, la semaine prochaine, ça va être ça. Alors, Caro, je te retiendrai pas plus longtemps, mais je te félicite pour ce que tu fais pour le monde du country. D'abord, ton émission de télé, mais ton émission de radio et tout, là, sur les ondes de CKJ. Oui.
C'est écouté oui. au bout, là. Les gens t'adorent. Ah, vraiment, ben écoute, c'est, ça aussi, là, ça a été des nouvelles expériences dans ma vie. Hein. Tu sais, bon, il y a eu l'émission de télé en premier. Suite à ça, le 92.5 qui m'a approché pour animer cette émission-là. Et moi, je suis pas une fille qui vient du milieu des communications nécessairement. Donc, j'ai fait ça avec mon cœur, ma simplicité. Les gens m'ont accueilli vraiment grandement. Puis c'est j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Puis là, dans cette période de crise-là, d'autant plus, ben, tu sais, à chaque semaine, ça me fait du bien d'aller retrouver les auditeurs, de parler aussi, de faire des belles découvertes d'artistes. Ça, j'aime ça parce que, tu sais, des fois, ça va vite, là, la vie. On est sur on a notre monde, mais on ne prend pas nécessairement le temps de découvrir et de savoir tout ce qui est les nouveautés. Mais là, je fais des découvertes, des belles personnes, tu sais, parce que là, tu m'envoies des compliments, mais je te retourne les compliments, là, Caro, vraiment, parce que je pense que les gens reconnaissent en toi une fille super authentique, de cœur, t'es généreuse. Juste tes lives que tu fais à chaque semaine, je t'écoutais parler tantôt. Je pense que tu fais du bien aux gens. Là, puis donc, c'est le fun de faire ces découvertes-là d'artistes et de parler de semaine après semaine. D'ailleurs, on s'est parlé la semaine On s'est parlé passée. Samedi matin. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, non, c'est ça. J'aime beaucoup ça. Donc, la radio, c'est un autre beau complément à ce que je fais. Donc, Je vais commencer à en faire. Je te gardais aller. Moi aussi, j'aimerais ça, mais j'avais pas jamais le temps de faire ça. Et puis, moi, je pensais pas que je pourrais faire des lives. J'ai essayé de faire des lives. J'adore ça. Je vais continuer de faire ça. Écoute, Caro, tu as été merveilleuse. Puis, je te remercie beaucoup d'avoir pris de ton temps. Puis, de parler à mon monde. Je vous le dis, là, tout le monde, si vous connaissez pas encore Caro Laurando, organisez-vous pour la connaître. Caro, je te remercie, puis je t'embrasse. Fort, fort. Salutations à toute ta belle gang, tous ceux qui sont à l'écoute, puis lâchez pas, une journée à la fois. Yes, sir! Bye, ma Caro. Et voilà, bye. Au revoir. Et voilà, nous sommes de retour. Nous sommes de retour, et puis ça va être en la finale. Vous m'avez entendu dire que le prochain live, c'est-à-dire lundi prochain, portera sur la carrière et la maternité, ou ben non, la vie de famille, comment concilier la vie de famille avec la carrière, parce que c'était bien beau là, d'avoir fait 70 tournées en Europe, mais comment j'ai pu parvenir à ça? Parce que j'ai, je vous le savez, dans un de mes lives précédents, je vous ai parlé de ma maternité, qu'en 95, j'ai eu mon premier garçon. Alors après ça, mon premier garçon était très jeune quand j'ai commencé à faire mes tournées en Europe. Comment ça a été possible? C'était possible grâce à une femme extraordinaire. Puis je vais terminer aujourd'hui mon live, je le termine de façon hyper personnelle. Ce que je vais vous dire là, c'est en fait, je voudrais le dire tout simplement à une personne, mais à ce qu'on parle d'écoute, la personne à qui j'aimerais le dire. J'aimerais dire à cette femme qui est que je considère et que je considérerai toute ma vie comme ma belle-mère et son mari, qui étaient mes beaux-parents, qui ont pris soin de mes enfants. Et aujourd'hui, cette semaine en fait, j'ai appris une nouvelle pas très bonne. Mon beau-père est hospitalisé, ça va pas très bien. Alors mon ex-beau-père, que je dis beau-père, ça va pas très bien et il est sur la fin de ses jours, je crois. Et ma belle-mère, eh ben, je lui ai parlé et ce que je voudrais lui dire aujourd'hui, c'est un bon anniversaire. Demain, le 1er mai. Demain, pour moi, le 1er mai, pour moi, c'est pas la fête des Muguets comme ça en France. Pour moi, le 1er mai, c'était la fête de la femme la plus extraordinaire de la Terre. C'était la fête, c'est encore la fête de l'anniversaire de ma belle-mère. Géraldine. Et je vais terminer ce live-là en lui offrant tout mon cœur, toutes mes pensées sont avec ma famille qui sont à Saint-Pacôme au chevet de celui qui a servi de père pendant des années à mes enfants avec ma belle-mère et tout. Alors voilà une chanson que j'ai écrite spécialement pour elle. Une chanson pour dire merci. La chanson porte ce titre-là. Chanson pour dire merci. Comment voulez-vous dire merci à quelqu'un qui a été si merveilleuse dans ma vie? Jamais, j'ai habité 16 ans avec elle et jamais on était en différent. Toujours sur la même longueur d'onde,
Elle me donnait ma place, on se respectait énormément. C'était ma meilleure amie, ma plus grande confidente. Je n'avais pas d'amis à cette époque-là. Donc, 16 ans avec elle, je lui rends hommage, je lui souhaite bon anniversaire. Et voici cette chanson-là pour terminer mon live. Soyez à l'écoute lundi prochain, 15h. De vous exprimer mes sentiments. Ce que je vous dois est trop important pour dire un merci simplement. Alors sans gêne et sans pudeur, ce soir je vous ouvre mon cœur. Vous que j'admire, que j'aime tant, vous qui êtes plus que des grands-parents. C'est une chanson simplement pour dire merci. Mais merci en ce cas me semble si petit. Comment exprimer tant de reconnaissance pour être là dans mes absences? Grâce à vous, si mes enfants sont devenus les hommes qu'ils sont. Si je vois dans leurs yeux ce qu'amour qui les ont bercés si tendrement chaque jour. Ils ont pour vous tant d'affection, tellement d'amour sans condition. Et dans leur cœur, une si grande place pour une grand-mère qui me remplace. Il y a des choses pour lesquelles dans la vie, un merci n'est pas seulement le mot qui suffit. C'est pourquoi j'ai voulu écrire cette chanson, un cri du cœur, mes émotions. C'est une chanson simplement pour dire merci. Merci, merci d'avoir cette place dans vos vies. Merci d'être des grands-parents aussi aimants. Merci, merci, tout simplement, tout simplement. Souhaite une très bonne semaine et on se dit à jeudi. Au revoir. Oh, à lundi. À lundi. Au revoir.